troisième partie. Comme ceci, voilà. Alors, donc, il met une sorcière qui fait une danse sur son balai et rigole comme elle. Ouais. Ok. donc, on se retrouve tout de suite, hein, parce que... Je danse sur mon balai, je danse sur mon balai, je suis la sorcière, la sorcière rigolote. La sorcière te transforme en grenouille. La sorcière te transforme en kangourou. La sorcière va faire le deuxième défi, attention. Alors, Mister Violet, place un crayon entre tes oreilles et dessine ton portrait. Bon bah on se retrouve tout de suite. Tes oreilles. Je vais tenir parce que... Bon, on vous le montre à la fin, pire, hein. Oups, qu'est-ce qu'on a fait carré. Mais non, parce que... J'ai fait tout... Tadam ! Voici mon dessin. Je pense qu'il est franchement plus beau. Cette merde, on peut comparer à... Cette... Mais pourquoi on parle pas en fait Bon, c'est parti pour l'autre défi. Demande à tes copines de choisir une chanson pour toi et chante-la en te bouchant les oreilles. Bon bah la chanson que tu vas faire, ça va être... Une chanson de Pokémon Go. Eh, Macarena. Eh, la 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 Macarena, je ne connais pas du tout cette chanson. Au pire, on arrête parce que... Alors, joue à l'actrice. Choisis un livre ouvert, le et pose ton doigt sur une phrase au hasard. Lis cette phrase en étant tour à tour une jeune princesse romantique, une vieille sorcière poilue, une mamie gâteau et une terrible peste. Action. Bon bah on se retrouve tout de suite. Tu t'arrêtes au point, hein. Attention. Oui, oui. Alors, la princesse du coup. Votre attention s'il vous plaît. J'aimerais féliciter Nikki, Ma et Well qui ont remporté cette course de natation, a établi le nouveau record de vitesse de ce collège aux 50 mètres. A plus pour... Mademoiselle Maxwell, bravo, bien joué. Tu peux venir chercher ton certificat. Et ça fait bien quand même. Bon, c'est le journal d'une grosse nouille, hein. Voilà. Crampe au ventre. Vite, essoufflez, au secours. Alors, je serai la cavalière de Brand. Au bal des amoureux, yes! J'étais à mon casier en train de prendre mon manteau quand j'ai reçu deux textos à une minute d'intervalle. J'ai cru qu'il s'agissait de ma mère. Mais j'étais agréablement surprise en constatant que c'était Brandon qui me les envoyait. J'ai retenu mon souffle et... Maintenant, après Mamie Gâteau, c'est une terrible peste. Je vous déteste. Non, je rigole, vous êtes mes amis. Bon, on se retrouve à... Voilà. Bon. Si ma Kniz n'avait pas passé des heures à nous parler de ses prochaines vacances à la plage, en me regardant, me voyait, me noyer, on n'aurait pas eu de... D'interro, t'imagines, une interro de sport à la quatrième partie.